Salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo Dead by Daylight Killer avec l'artiste, un build que vous connaissez bien qui est donc à base d'aura et de protection au niveau des générateurs. C'est parti. On va prendre l'impasse du Cénobite qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure protection pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. On va prendre le chili et barbecue du cannibale qui fait que lorsque vous avez aucun survivant, et bien les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 5 secondes s'ils sont à plus de 40 mètres, donc du crochet. On va prendre le poursuivant meurtrier du Nemesis. En début de game, vous verrez l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes. Et à chaque fois que l'aura d'un survivant est révélée, eh bien, vous aurez cette durée qui est augmentée de 2 secondes. Ce qui fait que le chili passera à 7. Et enfin, le dispositif de l'homme mort, donc du Deathslinger, qui fait que lorsque vous n'avez aucun survivant, eh bien, cette compétence s'active pendant 30 secondes. Une fois donc activée, tout survivant qui s'arrête avant d'avoir entièrement réparé le générateur fait que l'entité bloque ce dernier jusqu'à la fin donc, de l'effet de cette compétence. Et vous verrez donc les auras donc, des générateurs en blanc pour ceux qui seront affectés. En la donne, j'avais pris la charogne pourrissante qui va réduire le temps donc, de recharge d'oiseaux de souffrance de 0,5 secondes après l'envol d'un corbeau funeste et le goudron épais qui va augmenter le temps requis par les survivants pour repousser une volée donc, de corbeau funeste de 0,5 secondes. Alors l'idée en subit est simple, déjà avec le double add-on, vous allez vraiment mettre un maximum de pression au niveau des corbeaux puisque vous allez avoir donc une réduction sur le CD donc, de recharge des oiseaux, ce qui fait que vous pourrez utiliser votre pouvoir plus souvent. Et les survivants mettront plus de temps donc à repousser les corbeaux, ce qui fait que vous pourrez éventuellement mettre plus facilement de hit M2. Et si jamais vous êtes dans des petits loops, eh bien vous pourrez vraiment essayer de mind game au maximum, notamment autour d'une palette. Dans les loops 50-50, c'est vraiment très efficace. Pour ce qui est du build en lui-même, avec le poursuivant meurtrier en début de game, vous allez immédiatement avoir l'information des survivants. Vous pouvez lancer instantanément donc des hits M2 donc pour essayer de mettre au maximum des corbeaux en début de game et pour pouvoir instantanément donc mettre de la pression dans la partie. Lorsque vous allez hook un survivant, vous allez avoir le chili qui va s'appliquer et vous allez avoir le dispositif de la mort, ce qui fait que vous allez pouvoir du coup repérer les survivants qui seront sur les générateurs, vous envoyez les volets de corbeaux. Si jamais les survivants du coup forcent les générateurs, vous pourrez les blesser. En les blessant, ils lâcheront le générateur et feront donc appliquer le dispositif. Et si jamais ils lâchent immédiatement eh bien, le générateur ou bien les générateurs, eh bien, vous aurez ralenti naturellement la partie. Je rappelle qu'en plus de ça, avec les corbeaux, vous verrez un aura du survivant entouré par la volée de corbeaux pendant un court instant, ce qui fait qu'après, vous pouvez tout à fait deviner, donc en tout cas essayer la trajectoire qu'il va prendre. Vous pouvez donc armer plusieurs de vos corbeaux et vous pouvez faire des long shots à distance. Avec l'impasse, vous allez ralentir naturellement le rythme de la partie, puisqu'à chaque fois qu'un générateur donc, qui est terminé, un autre le sera donc bloqué pendant 30 secondes. Lorsque vous voulez donc mettre un maximum de pression avec l'artiste, essayez de lancer donc vos corbeaux pour protéger vos générateurs dans des diagonales. Par exemple, vous avez 2-3 générateurs qui sont sur la même diagonale, et bien lancez un seul corbeau pour la même diagonale, ce qui fait que si jamais vous avez non pas un survivant sur le premier ou le deuxième générateur, mais tout au fond de la map, et bien comme ça, vous pouvez protéger plusieurs générateurs à la fois. Si jamais eh bien, les survivants pris de panique en voyant le corbeau donc armé et prêt à être lancé, eh bien lâche les générateurs et que vous aviez hook, eh bien encore une fois, vous ralentirez le rythme de la partie avec le dispositif de l'homme mort. Je vous ai donc découvert ce gameplay, ça se passe sur Colwyn Farm. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu et la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch et YouTube du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur les BD et bonne chasse à tous. Allez, on est à Colwyn, magnifique. Magnifique. Là, par contre, j'ai pas pris d'intervention impure. Je suis un peu un malade, moi. Ah ouais, je vois rien. Bien joué. Ok, 3, 2... bah non. Allez, hop. On balance les piafs. Ok. Putain, j'aurais peut-être dû prendre... Allez, hop. Oh... Okay. Quoi? The fuck? Ok. La dame au piaf! Voilà. J'aime. T'es où? Allez, petite diagonale là. Piouf. Diagonale encore. Piouf. Oh là 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 là.
Allez, au hasard. On va attendre le gène. Fengmin! Comment ça va, Marus? Ok, on perd un gène. Fait le pas de mine, elle. D'accord, Feng, très intéressant, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Tu vas quand même prendre ta quiche, hein, au passage, hein. Voilà, ça c'est ma Feng, ça. Ça c'est ma Feng. What's my girl? Nani? Salut! On va perdre le générateur middle, très probablement. On va essayer de la raccrocher le plus rapidement possible pour y aller, mais à mon avis, ça sent le pâté. Waouh, stylé, maintenant. Merci. Jacques! Oh putain, Jacques, tu m'as défoncé là, bravo. Bien joué, Jacques. Bien joué, mon ref, tu vas continuer, hein. Ah bah non, hein. Tiens, mange un peu, Jacques. On joue. Aïe. Ok, magnifique. On a du coup un collègue ici, hein, qui se cache dans le truc. Bah, Claudette. Allez, shotgun là. Oh oui. Il n'y a qu'un seul seigneur des volailles ici. Elle est où? Claudette? Putain, mais... Claudette la ninja, quoi, en fait. Oh, je l'ai raté. T'es sérieux, mon ref? Bien joué. Oh, Peng! Salut quoi? Ah salut Jacques! Jacques, tu vas passer sous un tunnel! Eh ouais Jacques! Pour toi il va faire nuit bientôt! Au revoir Jacques! Attention! Je l'ai vu, c'est comment dire, c'était notre collègue Claire. Ah, j'ai vu notre ami Claudette. Oh merde, là par contre j'ai fait de la dé là. La menace vient du ciel. À toutes les unités. Oh putain, elle a pas été assez rapide, Claudette pour le coup là. Là elle m'a un peu. Là tu vois la Claudette, là elle m'a un peu, elle m'a un peu attristé là. Ok, Claudette. Claudette. Claudette, j'ai pas envie de te... Vas-y, prends la fenêtre, s'il te plaît. Prends la fenêtre, vas-y, vas-y. Oui, prends la fenêtre. Non, mais non, je suis pas friendly. J'ai demandé de te prendre la fenêtre. Putain, sérieux. Ça m'aurait fait gagner du temps. Parfois, les survivants, ils sont compréhensifs, tu vois. Bah là, elle était pas compréhensible. Bon. Garde. Allons-y. Reprenons. On joue. Elle va forcer... Ah bon, j'allais dire, elle va forcer le gène à la coquine.
Maintenant. Voilà. On l'a vu, elle est là-bas. Attention, 3, 2, 1. Maintenant. Ah, c'est parce que je suis en hauteur, frérot. On est là. Ouais. Ça payait pas de mine, mais c'était un beau petit shoot. Tu vas stream quoi ce soir, Chanel, du coup? Ah, oh, c'est trop là, je l'avais là. Elle va être là, hein. Ouais, j'en étais sûr, elle est là. Tu vas stream quoi de beau, du coup, ce soir? Ah, demain, pas de live le mardi. Repos pour les braves, les amis. Retenez bien dans votre journal de bord. Consignez-le, s'il vous plaît. Le mardi, tout est permis. Le mardi, tout est permis, les amis. Consignez-le. Allez, hop là. Bang. Allez, on va essayer quelque chose de sympa. Maintenant. Oh oui! Oh là 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 là, je postule. Je postule à la section tireur d'élite de la Légion étrangère, les amis. C'est parti. Ben pourquoi est-ce que j'ai pas joué comme ça dimanche? Ah pardon, excusez-moi. Allez. T'as vu ça, comment je manie les piafs? C'est à force d'avoir des vidéos de c'est à force d'avoir des vidéos de Sly qui m'envoie du coup ces vidéos de piaf là. Je m'inspire. T'es là? La Claudette, elle se... Qu'est-ce qu'il raconte, l'Event? Mais non! C'est toi, Sly! C'est tes piaf... tes oiseaux, pardon. À partir de maintenant, je ne leur manquerai plus jamais de respect. D'accord? À partir de maintenant, ce seront mes frères. Calme-toi, par contre, Sly, s'il te plaît. Putain, ils sont où, là? Oh là 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 là. Ouais. Ah, ça c'est reset, let's go ça. Ok, j'en étais sûr que la Claudette, elle était... La Claudette. Claudette, mon ref. Casier, vierge de fer. Allez, on va la battre. Ah là, Elena! Je te le dis, c'est la Légion, mon ref. Elena! Voilà, Elena! Elena! Rechargement! Bam! Allez, boum! Au revoir, Elena! Chili et barbecue! Maintenant! Oh là 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 là! Arrêtez-moi!
Oh, je suis on fire. This boy is on fire. Yeah. This boy is on fire. Feu. Quoi? Nani. Voilà. Oh là 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 là. On joue. Oh la dédarde. Incroyable, bien joué ça. Ça c'était sexy de ouf, ma petite clonette. Incroyable. Voilà, ma petite clonette. Allez, viens, Elena. Allez, fini. Bon, cette game était vraiment cool, hein. Cette game, pour le coup, elle était cool. Allez, parti. J'entends quelqu'un. Ah, salut. Bonjour. Ça, c'est à tous les éleveurs de volailles que je dédicace cette game, les amis. Sachez que si vous êtes sur le live... et que vous êtes éleveur de volailles, cette game est pour vous. N'abandonnez jamais. Soyez libre comme le vent. Soyez libre comme l'air. Béouin guetté par le grand Sturster. Ah ah, je suis mort. Que vous soyez un pigeon ou que vous soyez un aigle, sachez que vous avez le droit de voler, les amis. Pas sur le même ciel, mais vous avez le droit de voler. Soyez fiers.